capitale de la Bulgarie, hein, bien évidemment. Petite blague, hein, petite blagounette pour commencer. Petite blagounette de bonne qualité. Alors ce jeu. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a donné, j'ai hâte de savoir si c'est qui le coupable. On sait c'est qui le coupable, hein, bien sûr, hein, mais j'ai hâte. Mes lunettes sont absolument dégueulasses. Pourquoi on n'a plus le son? Pourquoi le son est giga bas? What the fuck? Bon, je nettoie mes lunettes et on trouve les 5 trucs. J'en ai déjà trouvé un. J'en ai déjà trouvé 2. J'en ai trouvé 3. Quelle pelle! Pelle. Ah, on a peut-être un peu de son. On va peut-être monter un peu. Attends, je vais monter chez moi. C'est vraiment bas là. Hein. Vers le mélangeur. C'est mieux. Ça a l'air mieux. Me dire encore une fois, c'est trop fort. Me dire c'est trop fort, t'as un vrai sac à foutre. Hein. On a tous nos indices. Le timer, le timé. Merde, le timé. Il est où le scalpel? Où il est le scalpel? Un flingue. Non, c'est une flingue. Abruti! Bruti. Année terminée, vous avez semble-t-il reçu une injection d'apophis il y a quelques heures, mais il est totalement immunisé. Immunisé? J'ai envie de confirmer qu'une souche complète et mutante d'apophis circule dans votre corps depuis plus de 20 ans. Ah, ça repousse sur votre passé, là le lore. Quasiment sans effet nuisible. Enfin, c'est ce jeu qui est nuisible. Quasiment. Certaines lésions cérébrales indiquent une possible amnésie permanente correspondant à l'époque pré-apophis. Dois-je recenser les déductions les plus logiques? Tu ne te souviens pas de ton passé. Passé. Vas-y. AFO 001 a été le premier sujet de test d'apophis et le seul à y avoir survécu. Là, ça a l'air trop fort maintenant. Par exposition progressive à différentes mutations de ce poison, AFO 001 a développé, j'ai pas eu le temps de lire, le sujet devrait être éliminé. Et quelqu'un aurait évoqué cet ordre de supprimer tous les détails. Je connais le nom de cet ange gardien. C'est Joséphine. Joséphine ange gardien. Ces détails ont aussi été supprimés. La série passe sur TF1. Forcément une dernière chose, il faut toutes les données que tu as en mémoire sur Apophis. À mon Apophis. Un petit point. Votre niveau d'autorisation actuel est suffisant. Vous pouvez récupérer ces données manuellement depuis les serveurs centraux. Merci, ce sera tout pour le moment. C'est tout. Bonjour Yamcha 17. Avec une jolie épée. Où elle est où? Ah, c'est là. Non, c'est où le serveur central? C'est lui. Tiens, prends ma clé. J'ai enregistré toutes les données importantes. Il faut que je file d'ici. La sortie principale est toujours fermée. Mais je peux désactiver le générateur qui alimente l'usine pour sortir sans être vu. On peut sortir là? Quoi maintenant? Là-bas? Désactiver un truc. Ah! C'est l'épée que je vais utiliser pour me tuer. Pas maintenant, gamin. Il y a encore des trucs à faire ensemble. Vas-y, il y a des trucs là. Quitte à choisir, tu peux tuer ce jeu. Alors, en fait, là, c'est un choix un peu cornerlien. Cornerlien. Toi, tu tues ce jeu, on t'en parle plus. Mais il y aura d'autres jeux. Toi, tu te tues toi, et là, dans quel cas? Voilà. Ça, j'avais pas trouvé hier. Bon, ils sont où les autres là? On est déterminé là, on veut tout trouver sans aide. C'est vrai. On veut
peut tout trouver sans aide. Dans un 10, il n'y a pas de Z, donc... Et pourquoi, pourquoi on peut pas, là? Il y a un truc, hein. Ah ouais, hein. C'était introuvable! Mais c'était introuvable! Non, mais vas-y, t'abuses, frère. Les deux étaient assez durs à trouver en vrai. Va falloir faire un puzzle, je suis sûr. Bonjour Sophia, mon nom est Taurus. Je viens de te déposer devant la cathédrale de la Sainte Trinité. Si tu écoutes ce message, je sais que je ne t'ai pas sauvé en main. En vain. Je vais quitter la mort, ça. Laisse ce message parce que je ne peux pas les arrêter. À toi de jouer. Arrête, Apophis. Adieu. Peut-être au revoir. Au revoir. Ainsi donc, mon ange gardien faisait partie de la Morsa. Je ne peux plus perdre de temps ici. Je dois saboter le générateur et m'enfuir. Comment on fait pour saboter le générateur? C'est ici, hein. Ah. Oh. Ah! Instruction. Reconstituer l'image en échangeant les pièces. Dégueulasse. C'est horrible. C'est dur, frère. T'as pas un peu abusé, frère? C'est bien ça. Je crois que le truc il colle un peu là. Ça? C'est mieux. Non, c'est pas mieux. Bon, je comprends rien. Je vais pas prendre d'indice. Ok. Ah! Alors ça me paraît pas mal. Alors on a un truc là. Non. C'est mieux ça. Inverser les deux là, il n'y a aucun intérêt. Et en fait, je veux juste trouver lesquels sont... bien mis en fait. Je pense que ça c'est bien, c'est juste des interversions maintenant. Pour ça c'est pas mal. Mais putain, mais quel connard! C'est bien ça en vrai, non? Comme ça. Alors, on y est, alors. Là, le mieux, il est bon. Le mieux, il est bon. Maintenant, c'est le bas qui est pas bon, je pense. On fait ça. C'est pas bon. Là non. Non, ça, faut intervertir ça et ça, je pense. Oh là 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 là, vamos. Il surchauffe. C'est pas le moment de moisir ici. Oh, le gardien! Non, il est toujours là. Ouf, la cinématique. Oups, je suis peut-être allé un peu fort. Enfin, au moins, la sortie est ouverte. Nocturne. Ah, mais c'est le moment cinématique! Oh, la voiture! Refaites-vous avoir la voiture par pitié. Le gardien est plus là maintenant, ouais. Thématique.
Et là, imaginez, on avait fini le jeu là. Mais non, non. Regarde ce que l'ordinateur peut apprendre sur Apophis. Allons dans la salle de l'ordinateur. C'est vrai. C'est vrai que c'est une question importante. Il faut aller où là? Ah. Oh non! C'est chiant. Belle. Le jardinier. Et l'écusson. Il est où l'écusson? Il est là. C'est vrai qu'il y a un petit lien quand même. C'est le futur, ça, Yamcha, tu peux pas comprendre. Octurnier Industrie est le suspect numéro 1. Je vais appeler Adamus. Il est temps d'accepter son invitation à dîner. Il faudrait aller à dîner. Adamus, c'est moi, Sophia. Ton invitation, t'as toujours? Pas trop tôt, ma belle. On mange ensemble ce soir, je m'occupe de tout. Il a quand même une tête de méchant, en plus, il y a le fond rouge. Quel prince! Je vous envoie un chauffeur pour 20h. Je peux pas, ça va me faire dormir trop tard. Un peu trop même. Non merci, je préfère conduire. Comme vous voulez, rendez-vous à 21h à l'Excelsior. Apportez vos menottes. Les menottes amusent, je m'en sers au quotidien. Faudra trouver mieux avec moi. À ce soir. À ce soir, bébou. C'est le meilleur moment du jeu. La voiture, c'est le meilleur moment du jeu. Oh là là. Bienvenue, Sophia. Alors, à vous plaît, j'ai réservé tout le restaurant juste pour vous. Ça n'a pas dû être trop difficile. Non, mais la synchro, la bière, elle est dégueulasse. Vu que c'est vous propriétaire. Mais ça, fallait mieux rien faire, en fait. Al Capone. Eh oui. Alcatraz. Vous êtes difficile à impressionner, Sophia. C'est ça qui me rend fou de vous. Alors, avant de perdre complètement la tête, que diriez-vous de m'offrir un siège? Viens prendre le fauteuil. Pour toi. Vous avez l'impression de passer au dessert. Je vous en prie, asseyez-vous. Respectez les lieux et réfléchir à des sujets de conversation. Il faut trouver une statue! Bon, le portrait était pas très dur à trouver. Hein. Le bonsaï. Des trucs moches. Des trucs qu'on a rien à faire là. Un petit tu. Mec, ton oreille, elle fume. Voilà, je suis jeune et immature. Je suis jeune et immature. Je suis jeune et immature, je suis désolé. Je suis désolé pour ça, Twitch. Ne me condamne pas. Hein. Je sais qu'on est en 2023 et que. Dire pénis c'est offensant, mais quand même. Oh là là, fondu au noir. Bon, parlez-moi de votre mystérieuse amante. Est-ce qu'elle est belle? Elle est morte? Je vais vous accueillir pour dîner, pas pour un interrogatoire en règle. Synchro labiale dégueulasse. Méchant Adamus, Sophie offensive n'a pas le droit d'être jalouse. Sophia, je connais des serpents venimeux plus inoffensifs que vous. Mais autant soulager votre jalousie feinte. Elle et moi, c'est fini. Et vous pensez que je vais vous croire? J'ai déjà joué pour pimenter un peu ma vie conjugale, un jouet que j'ai jeté. Vous avez toute ma attention, Sophia. Et vous, la mienne, je peux vous l'assurer, Adamus. Non, mais elle chauffe aussi, hein. Elle chauffe. Je pourrais également envisager de vous donner une chance si vous y mettiez le prix. Ouf. Proposition? Tout ce que vous voulez. Très bien, dans ce cas, Adamus, je suis à vous. Et prenez-moi comme vous le souhaitez. En échange, je veux. Allez, ne tournez pas autour du pot. Je veux. Apophis. Quoi? Elle a répondu fur. Mais comment? Bah, peu importe. Apophis n'existe plus. C'est qui Apophis? C'était le gentil, non?
Le bloqué sur les entrées de jeu, il était trop dangereux. Ah non, non, c'est Apophis, c'est le projet de merde là. Pour tuer le monde. Il y a des affaires dans lesquelles je vous conseille de ne pas fourrer votre nez, Sophia. Vous avez mis en colère? Pardon, je suis vraiment nul pour les rendez-vous galants. C'est quoi ce rendez-vous en carton? Je peux donc pas non plus vous demander pourquoi le sous-sol de votre manoir est investi par une société secrète. L'amorça, c'est bien ça? Ah, ça amorça. D'amorcer ça une conversation houleuse, hein. Tu fabriques en armes, mais ce sont tout simplement mes clients. Je sais pas comment vous avez découvert tout ça, mais visiblement, ça ne sert à rien de vous cacher les secrets. Les pièces du manoir qu'ils utilisent font partie des accords commerciaux que j'ai passés avec eux. Ce qu'ils y font ne me regarde pas. Si vous voulez bien excuser quelques minutes, je passe aux toilettes. Je vous laisse le temps de ravaler votre langue de vipère. Pou pou pou. Oh la sexy amie! À mon retour, j'espère être accompagné d'une femme séduisante et non d'une policière en exercice. Policière en série, j'allais dire. Pas votre temps, je vais ravaler ma langue en pensant à ce qui m'attend après le dîner. Ouais, incroyable. Enfin, il va rassurer lui. Tiens! Et c'est son sac. C'est un piège! C'est qui est là cette fois-ci? Oh, c'est un piège! Des photos d'une fille et des affaires appartenant à Adamus. Ah là 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 là, c'est un piège! Très joli, il y a une signature. Elizabeth. Il y a une des magazines de cul. Pas autre chose? Et puis Elizabeth, que puis-je utiliser pour identifier la bonne? Oh, pour son téléphone. Elizabeth Page. T'as vu, c'est aussi enregistré son adresse dans son carnet. Très urbain de sa part. C'est très urbain. C'est quoi cet adjectif de merde? Tu es très urbain. Désolé Adamus, tu vas devoir boire cet excellent vin tout seul. Oh oui. Ah, il y a une espèce de frotte 3D dégueulasse derrière, hein, c'est incroyable. Ici Sophia, je vais... Sophia, qu'est-ce qui vous a pris de sortir avec le... Je fais marre d'une enquête, je viens de me faire passer un savon par les types du dessus. Et le seul peut-être un peu original. Ah oui, c'est un séducteur invétéré. Vous voyez que c'était le meilleur moyen de lui soutirer des informations. Ça a marché. Tenons un nouveau suspect. Elizabeth Page, la morte. Ils étaient ensemble la nuit du meurtre. Je vais y rendre visite. Genre, j'espère que vous savez ce que vous faites, Sophia. Rappelez-vous, l'armée est impliquée elle aussi. N'agissez pas inconsidérément. Terminé. Tu as perdu. Dans tous perdus. Ah là là, retournement de situation, mais Nostradamus c'était mieux. Oh non. Cette voiture, putain de merde. Ah, j'espère qu'on va la revoir en haut, hein. Non mais là je l'ai pas assez vu. Hein. Ah oui, ouais, mais ils peuvent pas. Ah, ils ont laissé ça. Oh dommage. C'est con. Ouf. Mais c'est quelque chose ici, voyons ça de plus près. Oh, je suis sûr qu'elle est morte. Voilà, petite casquette. L'étoile. Une petite voiture. Un porte-manteau. Un chapeau. Une raquette. Un chien. Un chien panda. Ah oui. Bon bah, ce jeu vient de gagner 3 points. Ce jeu vient de gagner 3 points. Non mais regardez, il y a un chien panda dans ce jeu. Est-ce que c'est pas genre l'animal le plus mignon de tous les temps? Une étoile. Et il nous manque un sac. Il manque un sac. Oh, le sac à côté du chien panda. Mais il est incroyable ce chien. Meilleur chien de tous les temps. Un sens de l'écho très particulier. Voyons ce que le suspect aura à dire là-dessus. Tutu. La cloche cassée. Mais rentre par la fenêtre, connasse! Oui, une bouteille. Ah. Grand sécateur. Hein? Râteau? Pourquoi j'ai un râteau? Quelque chose bloque la porte de l'intérieur. Impossible de ouvrir. C'est là qu'on a besoin de toi. Voilà. Et j'ai un râteau!
Ah non, on continue. C'est quoi ça? J'ai 6 ailes. Oh! Mademoiselle Page, je suis l'agent de Sophia. Pardon de ne pas avoir frappé, la porte est défoncée, comme toi. Que s'est-il passé ici? Ça ne vous regarde pas, personne n'a rien signalé. De quel droit faites-vous éruption chez moi? Mais là, il y a un problème. J'enquête sur le meurtre d'Eva Lumenis. Vous êtes la coupable. Je connais Lumenis que de réputation. Vous me faites perdre mon temps. Au revoir. Sortez de chez moi par pitié. J'ai l'impression qu'on essaie de vous faire porter le chapeau. Les preuves contre vous s'accumulent jour après jour. Vous pouvez me laisser vous aider ou attendre que je revienne avec un mandat. On se fait chier. Vous avez 5 minutes. Merci. Si vous permettez, je vais examiner les lieux pour que nous discutions. J'ai 5 minutes. Et est-ce qu'on va avoir un temps limité? Ça serait énorme. On connaît les trucs qui n'ont rien à faire là. Hein. Il nous faut des sous-vêtements. D'ailleurs. Des sous-vêtements. Et un éléphant. Bon, on l'a vu l'éléphant. C'est vrai qu'il avait rien à foutre là. Les sous-vêtements, sont où les sous-vêtements? Où les sous-vêtements? Bon, ils sont pas sur elle. Hein. Ils ne sont pas sur elle. Ok. Ah oui, d'accord, il y avait un string là. Je l'avais pas vu. Des os. Page a l'air très désordonné. Tant mieux, ce sera plus facile de trouver des indices. Et parlons-nous les mondanités. Sous la pression, Adamus nous a avoué votre relation. Je vois votre version des faits. Elle a intérêt à être convaincante. Quoi? Comment a-t-il pu? C'est lui qui avait demandé de ne rien dire. Je voulais éviter le scandale, je ne sais rien. J'ai même pas rencontré sa femme. Servi de moi. Oh le salaud. Les mecs tous des connards. Votre masque de victime ne prend pas. J'arrive à lire les gens en un instant. Adamus veut être futé. Ce n'est qu'un Casanova. Immature et gâté. Vous en revanche, vous êtes une fine manipulatrice. Vous êtes dangereuse. Très impressionnant. Bravo. Je comprends mieux que vous soyez remonté jusqu'à moi. Malheureusement, je doute de pouvoir vous aider. Ce n'est rien à voir avec ce meurtre. Pour moi, cette tragédie n'a que fait que compliquer ma liaison avec Adamus. Je n'ai rien à gagner là-dedans. T'as la bouche, hein. Horrible. Hein. Assez joué. Il s'est passé quelque chose ici. J'ai bien l'intention de découvrir la vérité. Elle est peut-être morte ici. Collaborer ou je me ferai un plaisir de vous laisser croupir en cellule le restant de vos jours. Ça, c'est méchant. Je ne peux rien vous dire, mais je ne m'opposerai pas à votre enquête. Ma maison est à votre disposition. Prenez garde à ce que vous cherchez. Gardez vos conseils et comptez-vous de ne pas me gêner. Bon. Est-ce qu'on commence à récupérer des trucs? Est-ce que c'est comme l'autre jour là? Est-ce que c'est chiant? Regarde, rien à voir. Oh là là, la chambre. Trouver 12. Je suis sur une poubelle. Merde! C'est pas prévu. Un chapeau, un livre Harry Potter, des sous-vêtements. Pistolet? Il y a un pistolet chez soi. Allez, il y en avait deux à la suite là. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Il est où le pistolet? Il est un peu chiant ce jeu. Pistolet pochette. Ah, ça va, on a trouvé le pistolet. Pochette. Pourquoi leur pochette à la con? Vous avez obtenu une boucle d'oreille. Cette boucle d'oreille, Eva a emporté une identique quand nous avons trouvé le corps. Ah!
Vous dites ne connaître le ministre de réputation, c'est bien ça? Oh là là là, c'est le temps. Étrange, j'ai trouvé l'une de ces boucles d'oreilles dans votre chambre. Que direz-vous de monsieur, vous connaissez rien, nous continuons notre petite discussion. Non, attendez, je vais tout vous raconter. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est le jeu, elle a joué au jeu. Eva est venue ici la nuit avant le meurtre. Adamus était avec moi, ils ont eu une affreuse dispute. Mais c'est tout! Après cela, Eva est partie bouleversée et Adamus est allé au théâtre avec moi. Incroyable. Et rien de plus à ajouter. Partage l'alibi d'Adamus puisque j'ai été avec lui tout du long. Du long, ah oui, incroyable. Possible, mais quelque chose cloche. Je réexamine la maison pour assurer que rien ne contrôlait cette version des faits. On va retrouver des trucs. Je voudrais bien m'attendre ici au cas où je déciderai par la suite de vous arrêter. Je vais passer à côté de quelque chose d'important. Paige ne m'a pas tout raconté. Mais comment le prouver? Je sais pas. Hein. Vous voyez des trucs ici hein? Pas une autre pièce? Ah! On n'avait pas vu. Et il y a des trucs d'art, hein. Bon, là, il y a des trucs à faire. Voilà. Sa statue a été décapitée. J'ai vu les têtes qui traînent dans la pièce. Les trois têtes. Bon bah en tout cas j'espère que vous passez un bon moment. Et ah oula 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 oula. Non. What? Oh ça colle ça. Bon les bras là c'est pas bon. C'est pas bon Jean-Baptiste. Putain j'étais bien là, merde. What? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon Oh, on est bon là, on l'a lui. Ah, c'est pas mal en vrai. Ah, il y a du Resident Sleeper. Hein. Attends, instruction. Donc, constituer correctement les 4 statues. Ça, on a compris. Hein. Non, mais lui, c'était bon là, il avait ce qu'il fallait. Hein. Non, c'était mieux avant. Genre ça c'était pas trop mal. Mais là les têtes elles vont plus là. Bah si ça va là en vrai c'est bien. Pourquoi ça a pu? Pourquoi ça a pu? C'est bon là. Il m'a reset. Merde.
En fait, je comprends juste pas l'ordre. Ça a l'air bien là. La solution. Non, mais on peut passer au pire. Ça a pas l'air débile, ça colle. Genre ça colle aussi. Mais ça colle plus là en fait. Ça colle maintenant. Là ça collait. Ça c'est bon ça. Pourquoi il me dit que c'est pas bon? Pourquoi la position n'est pas bonne? C'est ça qui me... Attends, il y a un truc avec la position. Ah, d'accord que... T'as l'air de coller. Non, ça colle pas. Oh là là, la salle de surveillance où je trouve les vidéos de la nuit du meurtre. Trouvé. Calculatrice chaîne canard. Un digicode. Une calculatrice. Voilà. On a trouvé un briquet. Les ordinateurs sont ferroyés. Il me faut un mot de passe. Oula. Ici, on voit non seulement la maison, mais aussi le commissariat. J'ai pas le temps de chercher les vidéos importantes. Autant parler de tout le disque dur. Ah oui, un briquet. On voit tout le jeu, là. Pourquoi tu prends pas un disque dur? Ah oui. Et le feu. On se casse! Oh, il a l'air vénère. Bonsoir Sophia, je vous avais prévenu de ne pas vous mêler de cette affaire. Vous devez partir d'ici immédiatement. Ils vont faire sauter la zone. Ah. La pièce où vous êtes mène directement dehors. Le code d'ouvre. Mématique. Qu'est-ce qui a pu choquer à ce point un homme comme lui qui n'a pas scié quand sa femme s'est fait assassiner? Oh là là. Faut que je trouve une sortie, vite. Ah, ça parlait d'un code. Point coupé. Ça va pas être un système de sécurité qui me retient prisonnière. Ça ne va pas se passer comme ça. Un briquet. Ah. Je suis en cours d'air, c'est la sortie. Tout ce qui me reste à faire, c'est trouver comment l'ouvrir. Oh non. Il y a un truc là. Deux. Il y a un, il y a un. Instruction. Trouvez le mot de passe caché dans le mur. 2.
What? What? Okay. Je comprends rien. Là, on peut passer. Bonjour malade. Ah. 9. 1. De mon cœur. Ah, ok, 5. J'ai le mot de passe. Il est temps de mettre les voiles. C'est un jeu de merde. Faut dire s'il y en est, c'est un jeu de merde. Mais plus trop longtemps, normalement. Ouais. Ouais, interrupteur. Alors ? On a carrément pris l'interrupteur en fait. Et voilà, je vais rapporter les preuves au commissariat. Ouais, la voiture. Déjà vous, I have been in this place before, I have run the street. Ah, la voiture incroyable, vraiment le meilleur moment du jeu. Hein. Ah. Attendez, vous avez raison. Et il m'a sauvé la vie. Mais en avertissant que moi, il a signé l'arrêt de mort. Elisabeth, je ne peux pas me voiler la fast. Ah oui. Oula. Le disque dur a été endommagé, mais le service technique a réussi à reconstituer les secteurs abîmés. Le fastme. Voici la vidéo de la nuit où Eva a été assassinée. Oh, on va voir. Oh, la sarcolabiale, elle est encore pire chez lui. Y'a encore le colonel ou pas? Ça se trouve, c'est le colonel le coupable. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Tandis que Monsieur Kearney passait du bon temps avec Mademoiselle Page, Eva Luménis est entrée dans la pièce dans tous ses états. Les techniciens essaient encore de reconstituer le son, mais elle parlait apparemment d'un scandale à Kearney Industries. Non, c'est à Hussein. Cette phrase en particulier. C'est tout sur Apophis. Peu après, elle a été emmenée par deux hommes cagoulés. Ah là là. Ah oui, les mecs là. Et Adamus n'a pas levé le petit doigt. Il était au courant de tout depuis le début. Avec votre permission, commissaire, je vais arrêter ce sale menteur friqué. Oh le bâtard. Je me suis accordé. Mais vous ne serez pas seul cette fois-ci. Ah là, on arrive à la fin du jeu là, je pense. Oh là 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 là. Allez, alors là, t'es dans la merde, mec. Adamus Nocturni, vous avez été d'arrestation. Vous avez le droit de perdre. C'est bon ma belle, je connais mes droits, je ne résisterai pas. Après vous. On a fini le jeu. Adamus a décidé de coopérer. Nous aurons bien le temps d'effectuer un interrogatoire possible plus tard. Pour l'instant, notre priorité est de faire tomber le directeur Dr. Nier Industries coûte que coûte. Oh non. Mais c'est le colonel là. Nous avons des preuves concrètes qu'une arme de destruction massive, nom de code Apophis, a été vendue à une secte illégale appelée la Morsa. La Morsa. La Morsa est là. Nous allons leur opposer toutes les forces dont nous disposons. Je dirigerai moi-même les manœuvres. Agent Sophia, à vous l'honneur d'appréhender cette pourriture. Oh, ça parle mal, hein? Oui, chef. Oh, le ciel est rouge, ça veut dire que c'est... Ça... Oh oui, la voiture! Oh, l'hélicoptère! Oui, l'hélicoptère, on veut, on aime! Jean-Michel 3D, putain! Non mais 2014, c'est honteux d'avoir mis un truc comme ça dans un jeu de 2014. Tu dois trouver le bureau du directeur.
Mais avant, il faut que je trouve un extincteur, une lampe à lave, des casquettes, une horloge, un gobelet, un... Oh là là, oh, regardez comment c'est moche ça. Mais c'est un jeu qui a 9 ans. Non, mais c'est pas un jeu si ancien que ça. Par contre, on a rien trouvé là. Ça. Et ça m'inquiète. Merde. Le philosophe. Scotch. Non, non, ouais, même pour 2004, j'aurais dit, bon, ça va. 2014, là, frère, t'abuses un peu. 2014, quoi. Des fléchettes, une tasse à café. Ça, c'est un très très gros gobelet, hein. Ça, vraiment, c'est mon gobelet du matin. Hein. La tasse à café, dans ce genre de jeu, elle est mise au plafond, hein. À tous les coups, voilà, par contre, on trouve pas, là. Hein. Catastrophe. Un 3 de cœur. Fléchette. Sûr qu'il y a encore plein de trucs sur cette tasse là. Dans la... Tasse de café! Fléchette. Des fléchettes. Un bouton d'alarme. On retire le bouton. J'adore cette logique. De. Elle fléchette. Un extincteur. Un extincteur, ça va quand même pas être dur à trouver quand il y a le feu. Il est là, il est en plein milieu. Un avion. L'avion. T'as vu l'avion? Il est où l'avion? Il est où l'avion? Je te dirai pas. Ça m'a fait peur? Ça m'a fait peur, enculé! Disons, indice, hein. Tout de suite, indice. Un indice en bas de votre écran. Mais il est où l'avion, là? Un avion papier! Bah oui, un avion papier, bien sûr! Putain. Ils sont fous, tous fous chez Octurny! Même l'emplacement des bureaux est codé, il faut vraiment montrer patte blanche pour savoir! Où ce? Oh, le bureau du recteur! Tout ce que j'ai, c'est un code F42. Ah voilà. Le bureau est là, au dernier étage! Mais voilà! Quelle est la situation? Ça se trouve, c'est lui. Imagine, c'est lui. L'affaire suit son cours. J'ai trouvé le bureau du recteur au dernier étage. Quels sont les ordres, capitaine? Nos agents bloquent toutes les issues. Je me charge de contrôler la situation. Vous, occupez-vous de cette crapule. En fait, Sophia, je veux vivant. J'espère que c'est lui le coupable. Du chef, je la traite avec doigté. Arrêtez, 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 là. Oula. Je vais désactiver le champ de force. Bah oui, bah, je sais pas quand tu fais, gros. Avoir un truc à enlever. Hein. Énigme à con. Hein. Oh putain. Oh, c'est abstrait. J'attends l'abstrait. Ils sont où les coins? C'est pas mal en vrai, ça, je crois. Non, c'est nul. Ça, c'est mieux. J'adore l'abstrait. Oh sa mère. En fait, ça ressemble à un coin. Non, ça c'est un coin. Attends, mais on va mettre les coins. On commence par les coins, abruti. Pourquoi on peut être aussi con? On les voit en plus ces coins. Ah, c'est dégueulasse. Mal au crâne non plus. Vous avez pas mal au crâne, vous, là? Non, vous avez pas mal au crâne? Mais j'ai mal au crâne, non. Merde. C'est bien. Voilà. Je regarde pas le jeu. Ouais, le champ de force! Oh, le bureau. Une mallette, un tête moche, un rubis. Coupe, ramener la coupe à la maison.
Allez, les bleus, allez. Ça, c'est un stylo. Harmonica, un lion, un bouclier. Je regarde ce qui est un peu moche. Genre ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Non, mais tout le jeu est moche, en vrai. Donc, on peut pas regarder le... on peut pas regarder ce qui est moche parce que tout est moche. Cheval. Il faut enlever de l'aération. C'est important. N'oubliez pas de ne jamais aérer chez vous. Alors là, l'aération. Qu'est-ce que tu me fous? Il y a des petits trucs là. Je suis sûr que ça va être utile pour après. Un lion. Le lion est mort ce soir. Il y a plein de trucs là. Il y a plein de traces. Le lion. Par contre, l'aération là, what the fuck, hein. Elle est où l'aération? Pourquoi c'est pas ça? Et pour la pochette, j'en sais rien. Ouais, c'est pas logique. Et là, il va falloir trouver les traces de doigts, là. Putain. Sophia, d'après les enregistrements des caméras de surveillance, il semble y avoir une pièce qui n'apparaît pas sur le plan. Oui, le... c'est là que se cache le directeur depuis notre arrivée. C'est Saddam Hussein, c'est sûr. Ok, je vais le cueillir. Oui, mais on sait pas où il est en fait là. On n'a pas d'indice. Fouillez. Ah, non, non, c'est une balle. On peut pas revenir derrière? Ah, si. Ah, oh non! Rose, le masque chinois, crapaud, crapaud des îles, un tableau, des fleurs, une flûte à bec, un hologramme moche, une hallebarde, une lance, un papillon de lumière, putain, une clé, un lézard, clé, cause. Masque chinois, une aération, au fond une aération, c'est une aération ça, putain. Il n'y a pas d'enlever les aérations. Ça, ça va être le masque chinois, le fameux. Une clé et un lézard. Bon, dès qu'on en trouve un, un indice sur l'autre. Indice. Enfin, indice. Clé. Et un lézard. Où le lézard, on l'a passé. Et où le lézard? Pas de lézard. T'as vu le lézard? Oh putain. J'ai la merde. Ah, mais il y a là le lézard. Et l'autre, on passe. Elle était là. On l'avait pas. On l'avait au même moment. Ça fait une statue de gage, une statue de femme. Attends, il faut peut-être faire quelque chose genre là. Il ne fait pas assez clair pour voir la pièce. Voilà. Oh putain. Je devrais allumer toutes les bougies. Oh là là, attention, jumpscare, le méchant. Connaissant les Octurnies, je suis sûr que les symboles cachent quelque chose. Thank you.
Ok. Il y a un truc. Un passage secret! Pour le vrai, il me faut des empreintes digitales. Je crois savoir lesquelles et où les trouver. Il y en avait à côté. On les avait vus. Il y en avait là. Oh putain, je l'avais dit. Hein. Oh, il a tout touché. On a plus le reste. Bon, ça va. Retourne derrière, va ouvrir. Attends, mais d'où j'ai pas les empreintes? Oh sa mère. Oh non, 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 ça, je suis nul. Oh non, non, et puis ça, oh non, mais vas-y, t'es prof de maths, tu dois être fort. Non, non, je pue la merde à ça. Non, vraiment, littéralement, je pue la merde. Oh non, oh non, oh non, oh non, non. Constituer empreinte digitale à partir des éléments récupérés. Bon, en vrai, ça perd très dur. En fait, il y a des trucs qui peuvent pas s'emboîter beaucoup à beaucoup d'endroits. Non mais, ça va faire quoi à la fin? Un carré? Ah oui, c'est comme ça au début. Ouais, bon, en vrai, j'ai pas regardé les empreintes. Oh! Un pas de plus, vous êtes un homme mort, Auguste, vous m'entendez? J'ai le directeur en ligne de mire. Sophia, nous, problème, Adamus, bzzz. C'est bien. Hein. Désolé, les transmissions sont temporairement interrompues en cette pièce. Bon, en fait, lui, on l'a jamais vu, ni Dave, ni Adam. Hein. Vous devez être la fameuse Sophia. J'étais impatient d'avoir une petite discussion avec vous. Eh oui! Allô! Si par discussion vous voulez dire répondre à mes questions et me supplier de ne pas vous tuer, c'est un plaisir! Sophia, Sophia, inutile d'être aussi agressive. Je suis, pour ainsi dire, votre oncle. Hein? Vous voyez, depuis que toute petite, vous couriez et jouiez dans le sous-sol d'une usine d'armement. À bientôt finir. Bon! Usine d'armement. Vous ne voulez rien savoir d'autre à propos de vos chers parents? C'est quoi t'as perdu? Ah. Oh. Voilà, des expériences de la première année, vous êtes fous, je ne vous crois pas, j'en ai marre. Si bien sûr, je suis bien des choses, Sophia, mais ça rend pas fou. Pourquoi vous aurais-je attendu ici? Je peux tout vous raconter, pour cela vous devez me suivre et faire quelque chose pour moi. Vous êtes l'une des nôtres depuis votre naissance. Restez où vous êtes! Ouais, je pense que c'est signe que c'est vraiment bien. Ah, Adamus, qu'est-ce que vous pichez là? Ah, Macron. Écartez-vous, Sophia. J'ai des comptes à régler avec cet homme. Non, c'est pas Macron. Pas d'accord, monsieur. Non, il me le faut vivant. Je crois qu'il est temps de passer au plan B. J'ai toujours détesté les plans B, comme le permis. J'ai voulu mon permis moto. Sophia, ce fut un plaisir. Monsieur Octurny, je ne vous salue pas. Oh là là, c'est méchant. Au revoir, quoi? Et là, il répond fort. Vraiment, c'est ça. Ça, c'est une tentative d'assassinat, là. Ah! 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 Coupe ça! Ah, mais moi aussi! Oh non! Adamus, c'est arrivé pour me sauver! Je l'ai peut-être mal jugé! Faut que j'arrête le directeur! Ah, mais Adamus, c'est un gentil!
Ah, j'ai même pas tilté que c'était Adamu, je pensais que c'était l'autre là. Bordel, va te faire foutre. Mais pourquoi? Elle est où là? Information sur Apophis, cette arme dévore petit à petit le sang de la victime. Le corps paraît ainsi avoir été vidé de son sang. C'est-à-dire ce que je pensais. Emma a été tuée par Apophis. Mes yeux, mes oreilles. Non mais le jeu est horrible. Les plans Apophis, ils comptent provoquer une guerre de très grande ampleur. L'apocalypse s'en suivra. Course à l'armement. Investissement de reconstruction massif. Des services que la mort sera seule à proposer par le biais nocturne industrie. L'objectif est de contrôler l'économie mondiale. Il y a aussi question d'un espion qui mettra le feu aux poudres. Je vais découvrir son identité secrète. Des passe-partout du Fort Boyard et guide les casse-cou dans les tractards. Il rêve de sous et de Boyard. Ok, j'en ai trouvé qu'un. Bah, c'est vraiment. Ah. On a trouvé un deuxième. La perruque. Et oui, on traque le mal en ayant une perruque. C'est important. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui. Vous avez obtenu un camouflage. Ah oui. Faut qu'on se barre, faut qu'on fasse quoi là? On peut faire quelqu'un de moche. Ah oui. Non mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Non, il y a... What? Ah attends, on a un truc là. La barbe plus grande hein. Plus grande, plus touffue. Oh énorme. Bonsoir, le colonel et le directeur sont une seule et même personne! Je le savais! Je le savais! Auguste, le directeur s'est échappé! Putain, le coupable c'est Saddam Hussein dès le début! Quelqu'un s'emparait de notre commissariat et retient le colonel Jones en otage, on s'en bat les couilles! Merde! C'est le cerveau de toutes ces affaires! C'est misérable, je comprends mieux! Je vais tout de suite. Inutile, nos hommes cernent déjà le commissariat, mais impossible d'entrer, il faudrait pas non pas un policier, mais un serpent pour entrer sans se faire remarquer. Mais je suis au courant, mais c'est bien sûr le commissariat d'une véritable forteresse, pratiquement impénétrable, équipée de technologie Octurnie, dernier cri, c'est là qui compte pour se rattaquer, je dois les empêcher. Je vais me transformer en sadomaso. D'après quel de quoi c'est pour ça? Oh là là, ah oui, ça j'aime. Ah oui, ça j'aime! Putain, mais je m'en doutais que c'est ça, Saddam Hussein. Oula! L'explosion 3D, par pitié. Oui, on l'a eu! Oh, j'espère que c'était nous dedans. J'espère qu'on crève comme des merdes. Ah, attends, est-ce qu'on va avoir la voiture? C'est pire que je n'imaginais, je dois trouver un trajet pour atteindre le commissariat sain et sauve. Voilà. Bah celui-là. Là. Flic. Là, Et là. Tiens. Ouais, faut buter. Ouais. Ouais, on a compris. Par là, au milieu, le feu. On trouve tous les flics. Je comprends rien. Il est où le dernier? Ouais. J'ai rien compris. Est-ce qu'on va sub 3 heures? Identifier tous les patrouilles à éviter. En avant. C'est dur. Je vais faire un tour d'horizon, mon dieu. Avant d'y aller. Faut des bottes. J'ai des bottes. T'as des bottes, mon pote, elle me botte. Pareil que c'est Santiago. Je viens faire un tour dans le terrain vingue.
prends un stylo. Et bah vas-y, c'est ça là, putain. Je vais perdre tous mes indices. Va faire un tour dans le terrain vague. D'accord, ok, c'était aléatoire. Ok, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'indice. Nous avons obtenu une râpe. Là, qu'avec une râpe, on peut tout faire. Oh, oh. Ah là, les... C'est... Oh oui, oh oui. Mince, un drone militaire, faut que j'ai les mines d'ici là. La police n'est pas équipée pour l'affronter. Tiens, balance mon couteau. Tiens, la râpe. Ah oui, ah oui. Ah oui, meilleur moment du jeu là. Alors on a... C'était presque fun. Il doit y avoir une entrée dérobée. Elle est là l'entrée. Elle est là l'entrée, va pas faire chier, elle est là l'entrée. On va prendre une rap. Ouais. Oh là là, peut-être des drones, à moi de les mettre hors combat. Je peux peut-être fabriquer une grenade électromagnétique, feu explosif, de l'aluminium et du verre. Je trouve un extincteur, des fléchettes, probablement pour faire la bombe, un parapluie, des menottes, un balai, un chapeau, je clique un peu au pif, hein, je vous avoue, un téléphone, il manque du temps, et une chaise en bois. C'est vrai que la chaise en bois, ça va être très pratique. Et ça amuse Hussein. Extincteur, bouteille en verre. Tiens! Tiens! Allez où là? Tiens! Mais qu'est-ce qu'il faut faire en vrai? Tiens! Attends. Combien de lait? Ça fait rien. Tiens! Tiens, bouffe ma bouteille en verre! Ah, demain, il y a des trucs à faire. Faut pas faire du feu tout bêtement? Formidable. On peut pas avoir d'indice. C'est par là. Hein. D'accord. Ah oui. Une grenade électromagnétique. Attention, on veut vivre. Oh, la tentative de meurtre. Oh, le jeu. Ah, ça va être dans le moins, ça. Le jeu a essayé de me tuer. On va le revoir. Hein. Couteau. Balance. Et préviens. J'y peux rien. Mais préviens. Je ne perds pas sur mon couteau. Allons-y. Ah oui, on voudrait bien avancer. Ah. Attribuez à chaque symbole le symbole complémentaire opposé. Vous pouvez vous aider des couleurs en arrière-plan, mais elles aussi complémentaires. Putain de sa mère. Oh, le yin et le yang. Voilà. Le feu. Ça et ça, non? Ouais. Ça et ça? Ouais. Ça et ça? Voilà. C'est dur. Hein. Oui, mais désolé. Oh là! Voilà, enfin, vous, prêt à entendre la vérité. Non, l'heure n'est plus à la discussion. Vous allez mourir!
J'ai reçu un couteau dans la gueule. C'était vraiment ça. Oh. Oh. De vous qui allez mourir. Doucement. Qu'est-ce que doucement? Non. Sophia, tout va bien. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Réorganiser les morceaux pour constituer le symbole caché. C'est chiant. On recommence. Voilà, on veut voir au moins le bas. Saddam Hussein! Qu'est-ce que c'est relou? Mais quoi? Ils ont tué Saddam, quoi. Je peux pas cliquer sur passé. Attends, on l'a. Mais putain, mais tu me fais chier! Bon, ça me fait chier. Hein. Voilà, c'est annoncé. Attends, non, ça c'est en haut. Vas-y, allez, on réessaye. Plus haut. On va passer cette énigme parce qu'elle marche pas plus haut. Plus haut. Je comprends rien. Bonjour Yajiji. Ah, on va plus le refaire le dessin. C'est toi qui est mauvais. Non, mais. C'est le jeu qui est mauvais. Bon, on a tué Saddam Hussein. Hein. Ça, c'est ce que là. C'est ce qu'on va retenir. Ah, faut pas reproduire! Genre ça va là. Oh putain, j'ai compris. D'accord, ça va être des ailes en fait. Ouais, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Oh putain. On a fini le jeu. J'espère qu'on a fini, hein. Saddam Hussein, je l'avais dit que c'était le méchant. C'est la deuxième fois que vous me sauvez la vie. Hein? La première, c'est il y a 23 ans. Je n'étais qu'une enfant. Carorus. C'était vous. C'était moi, Sophia. Je ne suis plus. Qui parle? Je ne suis plus, Sophia. Elle est morte il y a 23 ans. Alors qui es-tu? Qui suis-je? Oh, rien. Je suis Black Viper. Non, y'a pas de préquel à jeu, hein, par pitié. Hein. Non, mais non, y avait l'intro, là. C'est bon. Ouais!
On se remet quand même le meilleur moment du jeu, hein. On remet quand même le meilleur moment du jeu. Je tiens à dire. Là, vraiment, ça, c'était vraiment incroyable. On s'en remet. celui-là, c'était le mieux, je pense. Franchement, celui-là était vraiment incroyable. Tu peux te refaire le movie. Black Viper, Sophia's Fate, The Movie. Ah, celui-là, il y avait tout, là. Il y avait la voiture. On avait la totale, là. La voiture, et après, l'hélicoptère. C'était incroyable. Ok, bah, c'était bien nul. Assidûment, des pires jeux... Enfin, ils ont réussi à foirer, en fait, un jeu d'objets cachés. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. J'ai encore une...